Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog. Oui, c'est la première fois que vous me voyez en vrai. Je ne suis pas roux, comme vous pouvez le voir. Mais si vous voulez en savoir un peu plus sur le pourquoi du comment, le pseudo Les Roux, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Si on arrive vers 30, 50 likes, je pense que je ferai une vidéo. Il n'y a pas de souci là-dessus pour tout expliquer. C'est ma première vidéo face cam, donc le vlog a été tourné un peu à la dernière minute. C'est pour ça que je filme du coup avec mon portable. Je n'ai pas d'appareil photo pour faire des vlogs. C'est peut-être l'une des seules fois où je ferai de la face cam. Après, si cette qualité vous dérange pas, il n'y a pas de souci. Je pourrais faire des facecam devant mon bureau, mais pour tout ce qui est vlog et tout, c'est un peu plus compliqué. Si le vlog vous l'aimez, pas de souci, je peux continuer là-dessus. Je pourrais même peut-être investir dans une caméra ou dans un portable un peu plus qualitatif. Mais bon, au moins, vous avez un vlog. Le vlog est surtout là, bah, vous allez le voir, pour présenter ce qu'on va faire avec Lynn, qu'on va continuer de faire tout au long de l'année jusqu'à qu'on en a marre. Bon, ça y est, je suis arrivé chez cet homme là, ce crâne. C'est parce que t'arriverais pas à prononcer mon nom, c'est ça? Ouais, c'est pour ça. Bon, après une heure de bus, j'arrive ici. Ce soir, on va faire sûrement un petit live. Vous pourrez retrouver sa chaîne Twitch dans la description, bien sûr. Eh, toujours des petits placements comme ça, des petits potes et tout. Là, on va faire un petit live, on va un peu voir ce qu'on va filmer demain. Est-ce que je peux tester ton stabi? Ouais. Bon, on se retrouve sur le stabilisateur. Je t'avoue que je galère un peu. C'est-à-dire que si je tourne ma caméra comme ça, le stabilisateur il fait un peu n'importe quoi. Parce qu'il y a trois modes et tout. Je sais pas, gros. L'autre il m'a expliqué des trucs, j'ai rien compris, d'accord? Ouais, c'est pas mal. Genre si je fais ça, vous voyez. Alors on est sur une stabilisation du type de qualitatif. J'ai un peu essayé le stabilisateur. Je dois être con, enfin, je dois pas être fait pour les stabilisateurs. Les stabilisateurs, c'est pas fait pour moi, d'accord? Donc, du coup, là, à la main, vous voyez, ça tremble beaucoup. Alors que je vais vous mettre deux, trois petits plans. Vous voyez ma tête de concentré qui essaye de comprendre. On va utiliser le stabilisateur avec son téléphone pour filmer la 4K, d'accord? Nous, on n'est pas, ok? Ici, c'est de la 720p, mais là-bas, c'est de la 4K, d'accord? Donc, allez voir sa chaîne où on fait les vidéos en 4K. Ici, c'est de la 720p. Si vous voyez de la qualité, c'est par là-bas que ça se trouve. C'est sur son crâne, là, ici. Et bah, du coup, on va voir ce que ça donne demain si je galère pas trop à stabiliser. Bon, dès le matin comme ça. Putain, je suis un connard. Porte, on peut pas l'ouvrir. Non, il y a la lampe qui gêne. C'est vrai que la lampe elle peut pas bouger quoi. Non, bah non, je fais pas d'effort moi. Hop, le petit réveil là, le petit réveil dans le froid. Regardez, c'est quoi ça? Ça, c'est un truc mouillé. Vous voyez? Oh merde, oh merde, mes doigts. Oh merde. Oh merde. Et là il pleuviote. Là je me remarque. Il pleuviote. Et là ça va être assez chiant. Dans le sens où bah, faire du drone quand il pleut, c'est lourd. T'en penses quoi? Bon, bah, on va annoncer la nouvelle à Lynn. J'ai bien envie de voir sa réaction. Lynn? Non. Si je t'ai dit qu'il pleuviote, tu me dis quoi? Je me dis que tant pis, on va jouer à Spider-Man. Non mais c'est vrai qu'il pleuviote un peu en fait. T'as un peu le seum. Ouais, faut pas lui parler. Il est grincheux, de toute façon, il est comme ça. Ne vous abonnez pas à sa chaîne, du coup, je retire ce que j'ai dit. Mec, il part pas loin. Voilà ce qu'il me fait écouter, hein. Bon les gars, après une petite pause, manger, on va reprendre un peu de route pour aller au lac des sapins. Cet homme configure Google Maps. Ouais, c'est vrai que je suis un configurateur. Du coup, il a plu, et bah le problème c'est que on sait pas s'il va faire beau ou quoi. Mon smartphone n'est même pas un S9 ou quoi, c'est un vieux Huawei P Smart, je vous le mets ici, hop, la magie du montage, et bah c'est claqué en fait, c'est du 1080p, 30 fps, et là c'est du 720p. On s'est arrêté, il y a une sorte de nichon de sapin, en fait ici, t'as un petit creux ici, juste ici, la suite, la route continue par là-bas. Là, vous voyez que là c'est un écran et là vous voyez il y a la voiture. On a fait deux trois petits plans plutôt sympas.
monsieur, qu'est-ce que vous faites avec votre sapin? Il a pris son sapin de Noël, hein, et lui il a tout compris. Hein. Il a tout compris, le mec. Hein. Et gros, il a pris un sapin dans la forêt, il a fait voilà, je peux pas payer 25 balles hein, quand ils sont à côté de chez moi. Les gars, on est arrivé, sauf que le problème c'est que. Juste avant, comme vous avez pu voir dans la vidéo, on a filmé des plans un peu dans la brume. Et ça, je sais pas s'il y est dans le montage final. De toute façon, vous voyez ce vlog, normalement, le montage final est déjà sur la chaîne de Lynn Vandelier. Je remets, hop, le petit logo ici. Oh merde. Merde, j'ai pointé du doigt, il y avait la voiture. Il y a plein de plans, on va faire un maximum de plans, parce que c'est le secret, en fait, d'une bonne vidéo, c'est d'avoir un maximum de plans, de tout, c'est n'importe quoi. Comme ça, après, vous pouvez choisir, en fait. En fait, comme vous êtes plus sur les lieux, mais vous avez filmé à peu près tout du lieu, bah, vous pouvez mettre ce que vous avez envie du lieu. Alors, vous expliquer un peu le topo, il lui reste 35% de batterie sur son téléphone, on n'a pas de quoi le recharger et on n'a fait aucun plan du lac. On est un peu dans la merde, d'accord, on vous avoue. Donc du coup là on est en train de faire des plans, on est en train de se préparer pour des plans, mais surtout ça on va en faire plein normalement. Normalement Lynn va en faire plein sur sa chaîne avec ou sans moi. Du coup je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce que vous allez voir beaucoup de montages de moi. Et c'est très intéressant, c'est des vidéos de drones, très beau, on va aller à des endroits très magnifiques. La dent du chat, je vous mets le lien dans la description. On a eu 2-3 petits problèmes techniques sur la qualité, mais sinon c'était un très bel endroit. Et abonnez-vous à sa chaîne, franchement je le dis pour toutes ses chaînes, allez voir si allez voir ça. Là vraiment, c'est le cas, allez voir. Parce que moi je vais m'investir à fond dans ce projet parce que j'adore le drone, j'adore voyager et cet homme est superbe. Le seul problème c'est que là son téléphone vient de s'éteindre, plus de batterie, c'est lourd. En tout cas moi je suis dans un très très bel endroit dans tous les cas, il y a cette petite forêt de sapins derrière. Bon les gars, nous on part du lac des sapins, donc on n'a pas pu faire cette rencontre abonnée. C'est on avait invité tout le monde, personne n'est venu. Vous voyez que c'est ce qui s'est passé hier pour ton live. Et donc du coup... On n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire. C'est tout. Ce sera le titre de la vidéo. Ce fut un vlog sympa, accompagné de Lynn ici. Bon, il aime pas trop la caméra. Mais il adore le drone, donc allez voir sa chaîne. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de vidéos qui vont sortir dessus. Sur ce, là, c'est la petite fin de vlog. Sinon, bah, à plus les gars. Hein. Et on se retrouve après le vlog. Comme vous avez pu le voir, on n'a pas eu trop le temps. Il a eu des problèmes de pourcentage de batterie, le froid. Aussi, on est arrivé vers la tombée de la nuit. Donc ça peut... C'est très beau, hein, comme vous pouvez le voir. C'est pas adapté. Je pense, je ne sais pas trop, peut-être on va en faire un dans de meilleures conditions la prochaine fois qu'on aura sur un tournage. En tout cas, voilà, comme je l'ai dit trop de fois dans la vidéo, je le dis encore une fois ici, allez voir la chaîne de Lynn. Donc j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker quand même pour si vous voulez une vidéo sur ma teinte de cheveux et le pourquoi du comment. Allez, sur ce, la bise, et sur la fesse droite cette fois-ci.